Avoir une école sans mur, c'était le défi de l'AIO, l'école d'enseignement artistique de l'Ouest. Et pendant ces 10 années, nous avons diffusé la culture dans les hauts, dans les bas, dans les salles polyvalentes, dans les écoles, dans les collèges, pour les marmailles bien sûr, mais aussi pour les adultes. Et au bout de 10 ans, on fait un peu le point, on se rend compte qu'on a eu raison avec le président Langenier qui a lancé ça avec Huguette Bello à l'époque, pour que l'on puisse vraiment diffuser la culture, mais aussi irriguer tout un réseau de professionnels. Les professeurs de guitare, les professeurs de danse, tous ces gens-là qui ont eu la possibilité d'enseigner sur le territoire, fait qu'aujourd'hui on a une diffusion et on a énormément de marmailles, on est environ 800, on va aller 1000. Et donc ça c'est important d'avoir diffusé la culture sur l'ensemble du territoire du TCO. Maintenant on a une école, on a des murs, et donc notre défi c'est garder cet état d'esprit, garder cette fusion qu'il y a sur le territoire tout en ayant des murs. C'était magnifique ce cabaret, on en parle depuis un an, on travaille dessus depuis un an. Et là aujourd'hui on concrétise, et puis quel magnifique moment de le faire lors des 10 ans de l'EAIO. C'est encore plus beau que ce qu'on imaginait. CAF Marron, sous sa direction, on a fait un cabaret vraiment magnifique. Que ce soit les élèves, ils ont fait quelque chose de génial. Les professeurs qui les ont accompagnés tout le long de l'année. Vraiment, là pour le coup, je peux le dire, je suis une présidente extrêmement fière de son école, tout simplement. D'autant plus qu'on a rajouté vraiment ce petit côté avec les fonds de cœur. On avait le lauréat qui était là. Ils l'ont dit, ça a été vraiment assez... Il y a eu plein d'émotions qu'ils ont entendu leur fond de cœur mis en musique. Et là, comme ça, sous les chars, c'était magnifique de mailler ce côté danse, artistique et puis écriture. Et puisqu'on est là aussi, l'école est là pour ça, c'est vraiment pour mettre en avant l'identité réunionnaise. Et je pense que là, vraiment, on a réussi. On est sur fêter les 10 ans, puisqu'on est dans l'année, mais on ne l'a pas encore fêté. Donc on va fêter les 10 ans, on a de belles surprises. Et puis on aura officiellement notre siège, nos murs, voilà. Tout en sachant que ça ne va pas changer le fonctionnement de l'école. On va rester sur les 5 communes, bien évidemment. Mais on aura officiellement un siège où l'école, on va dire, aura enfin ses murs.